Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jean. Bonjour, dans C'est Saint-Jean cette semaine, l'élection de Mélanie Francomme à la présidence du conseil municipal des lycéens et les 101 ans de Madame Duchemin. C'est maintenant C'est Saint-Jean. En matière de représentativité de la jeunesse saint-joséphoise, après le conseil municipal des enfants, le conseil municipal des collégiens, on a bouclé la boucle pour ainsi dire avec le conseil municipal des lycéens. À l'issue du scrutin, les élèves de seconde et première des 4 lycées de Saint-Joseph, Vincent Dau, Pierre Poivre, Paul Langevin et le lycée agricole, ont décidé de choisir pour un mandat de 2 ans Mélanie Francomme, élève de première S à Vincent Dau et qui n'en est pas à sa première élection. J'étais élue au collège en 4e. Ensuite, en 3e, je me suis dit pourquoi pas me lancer présidente de la commission Sud. Et donc, à mon grand étonnement, j'ai été élue. J'ai déjà une expérience en tout ce qui concerne un petit peu politique, etc. À la différence des précédentes élections, il fallait en plus de faire acte de candidature, présenter un projet. Et celui porté par Mélanie d'organiser des jeux interlycées semble avoir séduit. On remarquera que les candidates étaient plus nombreuses que les candidats, de bon augure pour la parité. Oui, visiblement, ce sont celles qui foncent le plus et qui ont de l'audace. C'est bien pour l'avenir de notre ville, de Saint-Joseph. Je suis particulièrement heureux que ce soit Mélanie, parce que certes, elle a une expérience, mais que ça lui a donné quelque part, je dirais, de l'assurance de se lancer. Et d'autre part, ces jeunes me semblent ne pas avoir froid aux yeux sur ce que nous avons véritablement à voir demain. Ne reste plus aux lycéens qu'à se mettre au travail et proposer des actions que nous ne manquerons pas de relayer. Ça n'est pas notre premier rendez-vous avec Madame Duchemin. Du vivant de son mari, nous avons célébré leurs 70 ans de mariage, même un peu plus. Monsieur Duchemin nous a quittés il y a 6 ans après avoir passé le cap des 100 ans et Madame Duchemin, à qui nous rendions visite ce week-end, célébrait elle ses 101 ans. Elle nous a accueillis debout, l'œil vif et tout sourire. Le secret de cette longévité, le travail et l'alimentation. Je faisais l'agriculture, le géranium et planter de maïs aussi. Il faisait un petit peu de tout, mais m'aider mon mari, malgré mes enfants, m'aider mon mari, il ne trouvait pas de journalier, m'aider à lui faire le travail. La mémoire est encore bien là, elle évoque volontiers sa nombreuse descendance, 90 petits-enfants et arrière-petits-enfants, tout confondu. Mais c'est chez sa fille, Maryse, qu'elle réside. Madame Grondin nous parle de sa maman. Maman, toujours été gentille, mais jusqu'à maintenant, hein. n'a pas beaucoup de peine avec maman. Ouais. Ben, c'est pour ça que moi, par nébout de dire que mes parents loin d'elle, elle a toujours été avec moi. Elle doit aller bien là. Parfois, elle me dit, maman, t'es pas en prison si tu veux aller chez quelqu'un d'autres enfants. Mais elle est bien, voilà. Elle est bien là. Une part de gâteau, un verre de soda et Madame Duchemin recevait un à un ses invités. Bonne année, madame, et à l'année prochaine. En lieu et place de l'agenda, nous voulions partager avec vous ces magnifiques images de la rivière Langevin et plus particulièrement de la cascade de Grand Galet. Après les fortes pluies de ces derniers jours, un spectacle qui a attiré de nombreux curieux. Première fois qu'on le voit qui se déchaîne comme ça. Bon, ça, c'est dû aux pluies qu'on a eues depuis 2-3 jours. Quoi. Ouais. Mais c'est fantastique. Bah, non, ça pisse chez moi, donc je me suis dit on va aller faire un petit tour à Grand Galet. La crête aussi, il y a des cascades. Ouais. Enfin, des petites cascades, moins impressionnantes qu'ici. Ouais. Joli spectacle. Oui.